La veille de la Toussaint, nous fêtions toujours l'Halloween. Tous mes amis, mes sœurs et leurs amis passaient aux portes, déguisés de mille façons pour recevoir des gens du quartier des bonbons, de la gomme à mâcher, des noisettes, salées ou non, des clendaks, gros et petits, et aussi des fruits, pommes pourries parfois ou oranges encore trop vertes souvent. Ou bien, plus chanceux, des sous, des scènes noires ou de beaux cinq sous. C'était, plus jeune, un grand soir d'excitation. Maintenant, nous allions être les spectateurs des plus jeunes, mendiants nains, quêteux d'un seul soir. Les enfants aimaient ce soir de travestis de quatre sous. Et moi, j'aimais toujours les histoires de fantômes, de revenants. Et je voulus profiter de ce soir-là pour tenter une expérience de spiritisme, science tant méprisée par mon père. J'aurais tant voulu pouvoir être sorcier, au moins magicien. J'avais beaucoup pratiqué tous les trucs de magie de l'Encyclopédie de la jeunesse. Maintenant, je cherchais à devenir vraiment hypnotiseur. Malgré l'hypnotisme rendu facile, je ne parvenais pas à endormir qui que ce soit, hélas. Hélas. Marie-Paul, tu vas m'aider. Oh, hey, écoute-moi d'abord, là. Tu riras pas de nous autres, hein? Pierrette Forté, puis moi, là, on a envie de passer. Hey, pas de farce, voyons. Dans le coup, une dernière fois, Seigneur, c'est pas un crime. Je te jure que c'est la dernière année. Hey, toi, t'as le tour d'un déguisement, là. Tu veux pas m'aider à imaginer un costume, hein? Oui, OK, OK. Mais d'abord, tu vas m'aider, hein? Je veux savoir si j'ai le don. J'ai besoin de quelqu'un qui colle la barre. Quoi, qu'est-ce que tu veux? Oh, rien, rien, presque rien. Que tu sois disponible. Bon, reste là. Hein? OK. Sois molle, molle. Bon, relax. Je vais compter. Un, deux. Attends, fixe ce crayon. Un, deux, trois, quatre. Cinq, six, sept, huit. Sois raisonnable. Bon. Tu vas maintenant t'assoupir, relaxer, t'assoupir. Tu sens comme une lourdeur dans les yeux, sur tes paupières. Hein? Tu la. Résiste pas. Laisse cette fatigue t'envahir. Relax. Bon, tu vas maintenant fermer les yeux. Doucement. Bon, le sommeil va s'emparer de toi. Il s'empare de toi. Doucement. Tu vas maintenant vouloir dormir. Tu vas écouter le son de ma voix, rien que le son de ma voix. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Relax. Tu vas dormir maintenant. Un, deux, trois. Tu vas vouloir dormir. Tu te sens bien. Très bien. Dis-moi, pour Muriel, veux-tu m'aider à me déguiser? Oh, vous autres, les sciences occultes, ça vous dépasse! Hey, Muriel, veux-tu m'aider, là? Je veux me déguiser une dernière fois, hein? Oh, Marie-Paul, je t'en prie, laisse le trottoir aux enfants. C'est fini le temps de l'Halloween. Prends-en ton parti. Pour rire. Pierrette Fortin, puis moi, on va juste passer pour rire, là, une dernière année. Puis, tout déguisé, là. Personne ne nous reconnaît. Hein, que ça peut bien faire. Hein? Compte pas sur moi. Après ça, tu viendras me demander de t'aider à avoir l'air plus vieille. Tu sais pas ce que tu veux? Bon, ben, si tu montes en haut, là, dis bien à ta sœur que je veux pas voir de lampion dans ce trouille de l'Halloween. Dangereux pour le feu, ça. Les rideaux, ça s'enflamme vite en titi. Bon, regarde mon nom de magasin, là, je vais aller livrer une commande. Prends ton temps, papa. Oh, tu veux pas que j'aille à ta place? Non, une petite mâche, on me fait du bien. Chez la douce veuve Richer? Clément! Oui, allô? Jérôme, s'il vous plaît. Salut, chum. Es-tu prêt pour l'expérience fatidique? Oh, oui, ça va marcher.
Ah, bon, OK. Tu tiens en face, chez le docteur Sen, hein? Bon, moi, je vais te faire deux coups de flashlight deux fois dans le châssis. Ça, ça va être ton signe. Là, t'arrives. OK? Ah oui, t'es en plein la voix d'outre-tombe. OK, à tout à l'heure. Salut. Oh, papa, je t'en prie. Oh, je t'avais prévenu, Muriel. Ah, mon Dieu, un vrai petit berbère. Hein? Mangez-les pas tout à soir, là. Pensez à vos dents, petit sacripant. Bonjour. Merci, madame. Oh, oh, la jeunesse. Papa, t'es donc heureux. Tiens. Avec la petite lampe que j'ai installée dedans, ça va, là? On n'a pas trop peur, là-même? Ah ben, j'aime mieux ça. On n'est jamais trop prudent, mes enfants. Non, non mais il est assez fatigant. Ah, ah! J'y vais. Encore des petits quêteux. Ah! Oh! Muriel! Muriel, viens, j'ai peur! Lac! Ok, t'es peur, là, lui. Niaiseux. Parce qu'il est drôle, ton frère, ton cher frère. Tiens, c'est pour toi, mon ange. Oh, merci. Je te dis que ça grouille sur les trottoirs ce soir. Mmh. Aimes-tu ma citrouille, Hervé? Regarde, Clément n'a pas voulu s'en occuper cette année. Je suis bonne, hein? Elle est parfaite, Muriel, parfaite. Tu sais que ça attire les enfants, ça, ces affaires-là. On passera pas une soirée tranquille, ma chatte. Moi, cette année, Hervé, c'est... Je m'intéresse plutôt aux sciences. Venez, venez voir mon installation spiritiste dans le boudoir. Ouais, monsieur veut faire tourner les tables. Ouais, touche pas à ça, Clément. Il est mort, tout ça. Quoi? Une amie d'une de mes tantes a joué à ça. Elle a fini ses jours à l'asile. Oh? Elle a-tu réussi à obtenir des choses? Effectivement, il paraît qu'elle a réussi. Moi, j'étais trop jeune, mais mon père m'a dit qu'elle réussissait à communiquer avec certains parents de la famille. Ah oui, venez. Disparu. Venez, venez. Mmh, tu dis ça, Hervé, puis il me passe des frissons. J'en ai la chair de poule. Ouais, ouais. Clément, tu te mets à la sorcellerie sérieusement? Oh, Hervé, non. C'est pas sorcier, c'est... scientifique. Les morts vivent. L'esprit des morts rôde autour de nous. C'est prouvé, ça. Les savants le confirment partout. Tout ce que ça me prend, c'est un bon médium. Ça sera peut-être toi, Hervé. Mmh. Ouais, approchez. Y a pas peur. Hey, je me sens pas brave, moi. On sait jamais. Muriel. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, donc, lui? Ah, surveille-le, ma petite fille. Ça prend pas une heure à aller chercher de liqueurs en bas. Ben, il a peut-être vu à l'air, Prévost, la rouge. Ses anciens chums. Ouais, M. Villery, M. Mossel. Clément, qu'est-ce qu'il fabrique dans le boudoir, celui-là? Me prépare, me concentre. Ça sera pas long. Lui, il est dans ses expériences mystiques et fantomatiques. Ah, j'aime pas ça, ces lectures-là, moi. Ces fameuses expériences, là, du fantasme, ça peut lui troubler l'esprit, ça. Il est temps que la province de Québec s'ouvre aux sciences de la parapsychologie et de la métaphysique. Mon doux Jésus, la parapsychologie à cette heure. My. Hey, on peut-tu rentrer dans le cabinet du docteur Jekyll? Patientez. Mais ceux qui voudront faire des farces, là, ou des jokes plates, là, pas question, pas d'accès. Mais c'est ouvert à ceux qui ont l'esprit ouvert, pas à ceux qui sont bornés. Oh, pour l'amour! Qu'est-ce qu'il fait, donc, lui? Va-tu passer sur en bas? Je vais aller voir. C'est ça, vas-y donc. Bon! Un petit squelette ambulant! C'est quoi ton nom? Hein? Attends que je devine. Ah, hein? C'est le petit urgent, ça? Ben, tu vas me chanter quelque chose si tu veux des nananes, mon petit gars. Non, moi, je suis une petite fille. Ah, t'es une petite fille! Alors, maman, ça, on a hissé ça quand on voulait nous faire chanter des choses ou réciter des affaires quand j'étais petit. Tiens, bonjour, ma petite fille. J'ai dit, il n'y avait pas question. Hey, je t'aimais pas. Hey, prud'homme. Oui. Je t'écoutais derrière la porte, là. As-tu fini? Achève-t-il? Tu parles ligne de business avec mon père. Sais-tu que ça l'intéresse pas encore? Ben non, mais là, mais dis pas ça. Dis pas ça, Muriel, ça m'intéresse. Puis je suis moi-même dans le commerce, ma grande. Tu seras, Muriel, que lorsqu'on est dans le commerce. S'il vous plaît. Hey, ils font les deux, en haut puis en bas. C'est une maison qui rapporte, ça. Elle, en haut, elle a voulu me faire chanter, Moses de Bin. Tiens, mon petit gars. Je suis pas un petit gars, je suis une petite fille. Ah bon? Où il est, ton homme?
Il est parti réparer la fournaise du professeur Lapierre. Ça fait 2 heures qu'il est parti. Je sais pas s'il l'a démonté en morceaux, je sais pas quoi. Laisse-la, maman, je vais y aller. Hé, hey, ouais. Clément! Si c'est Roland, veux-tu lui dire que je suis ici? Ouais, OK. C'est... Oh, la belle petite princesse! Tiens, princesse, bon voyage! Merci. Oh boy, maman! C'était une belle petite fée des étoiles! Puis ça marche, tout est prêt. Comme tu vois, comme tu vois. Hey, fais-en le moins possible, hein, le minimum, des murmures, juste des murmures. Ouais, compte sur mon intelligence surdéveloppée. Ouais, bon, rentre dans le garde-robe. Puis, donne-moi donc ton coat. Faut pas que le fantôme ait trop chaud. Hein? Bon, je suis prêt, mon vieux, tu peux y aller, on va rire. Okay. Maman, Lucie, vous pouvez venir. L'ambiance est bonne, là. Laura se précise. Laura. On arrive, mon cher du savant des ténèbres. Viens, tu peux faire des esprits, toi. Oh non, quand on a affronté Jean-Marco dans l'escalier, là. Oh, c'était impressionnant, pareil. Hein? Tâche de pas trop nous faire perdre notre temps, hein, Clément? Installez-vous, asseyez-vous. Yeah? Oui, oui, ah. Là, toi ici, ici. Et mettez vos mains sur la table. J'ai entendu parler de ces affaires-là, hein? Tu vas faire lever la table, elle va tourner sur elle-même, je suppose. C'est truqué, ces affaires-là, je le sais. Non, non, je ne sais pas plus que vous autres ce qui va se passer, si la table va lever, ou si elle va faire du bruit, ou si on va sentir l'esprit nous frôler les cheveux. Hé, 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 wow, Clément, là, wow! On verra. Puis, il n'y a pas à avoir peur de ça, Lucie. Les morts vivent. L'esprit des morts ne meurt pas. Tu le sais, ça. T'as appris ça dans le petit catéchisme, comme tout le monde. On va questionner, on verra bien. Qui ça? Qui c'est que tu vas appeler? Ouais. Ah, pas de nom, maman. Peut-être que ton père veut te parler. Clément! Ou ta mère, ou la mère de papa, ou un voisin, ou le petit Marcotte qui est mort il y a 2 ans. Non, s'il se manifeste, on lui demandera son nom. On y va. Vos mains sur la table. Concentrez-vous. Esprit, où que tu sois, qui que tu sois, si tu veux te manifester... Fais-nous signe. Ouais, ben ça répond pas fort. Chut! Silence, la patience, la concentration. Esprit. M'entends-tu, esprit? Non, non! Soupir! Ah, Lucie! Oh, j'ai pas fait rater! J'ai rien entendu, moi! Oh non! La concentration. Vos mains sur ma table. Bon. Esprit, es-tu là, vraiment? Oui, je suis là! Et c'est pour vous manger! La l'autre folle, avec toi, tu t'es fichu! Hey, Muriel, c'est vrai, je te dis, j'ai entendu comme une petite voix, Muriel, je suis pas folle, je l'ai entendu, j'ai pas rêvé ça! Bien sûr que les esprits existent, non, voyons. Bon, les mains! Les mains, sur la table, comme ça, oui. Hé, hey, Clément, fais-le donc chanter ton fantôme. Un soir d'Halloween, il doit être bien disposé. Ha, 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 ha. Sérieux? Oh, oh. Silence. Oui. Concentrez-vous. Bon. Esprit. Oh, ça m'épuise un peu, hein? Je me concentre tellement. Esprit. M'entends-tu, esprit? Es-tu là, esprit des morts vivants? Oh! 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 C'est chaud en enfer, j'ai tout fait. Faut-tu être flamme ici, Jérôme? Faut-tu être assez flimeux? Cher Clément! Ah, Jérôme, je t'avais dit d'en faire le moins possible, juste des murmures. Oh! Tu vois toute foire à cette heure. Oh, hey! On va prendre Marie-Paul quand elle va revenir. Mais attends, je ne vois pas. Elle ne dormirait plus pendant des mois. Vous avez raison, je vous permets. Un vrai fantôme, ça se voit dit. Vous autres, là, là. On s'est payé ça, hein? Maman, c'est l'arriéré mental. Un grand slack. C'est Roland. On n'a plus rien à donner. On n'a plus rien à donner. On va s'en débarrasser. Tenez, mon ami. Et bonsoir. Oui. Tabaslac! Voyons! C'est moi! Lucie! Roland! C'est Roland! Est assez sale, la fournaise du professeur Lapierre?
Tout le monde est là? Ouais. Okay. Vous autres, puis vos quatre bandes de gamblers. On joue juste la petite scène. Viens donc, Roland. On a pris les scènes de cinéma mascarade dehors. Puis une scène pour les petits enfants barbouillés. Gang, des pinottes dans les cartes. Moi, c'est drôle, l'Halloween, là. Quand j'étais jeune, je me suis jamais déguisé. Ça, jamais. Je trouvais ça trop fou, trop inutile. Fait que trois! T'étais déjà un garçon sérieux, Harvey. Trop sérieux. On dirait qu'on t'a volé ton enfance. Bon, ben, ça y est. J'ai tout remis en place, sa mère. Oh! Clément, pas de sa mère, s'il vous plaît, hein? C'est un bon petit gars, ça, hein? Ouais, c'est un bon petit gars. J'aurais pas dû faire de farce avec ça tantôt, avec mon Jérôme, là, caché dans le garde-robe. Mais aussi, j'aimerais tellement ça, prouver, réussir. Bon, moi, j'y vais, je reste pas à la porte, hein. Vous m'en voulez pas personne, Lucie? Non, non. J'aurais aimé ça, moi, être dans la chambre, là, pour les entendre, là, des voix de l'outre-tombe. J'aurais bien aimé ça, Simone. J'ai pas l'air de ça, mais je me rappelle, là, quand j'étais jeune, des fois, j'étais dans le grand. Il me semble que j'entendais la voix de mon père. C'est sa voix qui me parlait. C'était comme on aurait dit le vent d'un branche, là, puis qui rentrait dans la grange à travers les planches des colouées. Puis là, il me parlait. Puis moi, je voulais y parler aussi. Je posais des questions. Je disais, « Père, devrais-tu faire telle affaire la même? Ferais-tu mieux de faire ça de même? Qu'est-ce que t'en penses? » Puis il me répondait pas. Il me répondait vraiment. Je pleurais. J'avais 10 ans. Bon, ben, je vais aller te reconduire, chum. Mm-hmm. Bon, ben, moi, je mets 200. Inquiète-toi pas, ça va marcher, ce fois-ci. OK. Ben oui, mais... Mais c'est ta soeur? C'est Marie-Paul? Ben oui! Je t'allais une danse masquée à Sainte-Cécile, j'ai le droit, non? Là, gêné en dort, non? Bon, ben, salut, chum, et puis rends-toi bien. C'est ça! À demain, chez nos chers moines! Bye-bye! Ah! Te voilà, ma petite Junette! Fille, les gens ont été généreux cette année! Ah! Le divin moment quand nous revenions de nos quêtes. Le moment où nous renversions enfin nos paniers sur le tapis ciré de la table pour soupeser le fruit réel de nos escalades d'escalier partout. Nous séparions les fruits des bonbons, les sous-ramassés des boîtes de gomme. Ah oui! Le divin moment. Faire le compte exact de notre pêche miraculeuse. Tiens, tu mettras cet argent-là dans ton cochon. Hein? Grand bébé, va. Jure-le donc, c'est la dernière année que tu passes. Jure-le devant tout le monde. Bon, Marie-Paul, ramasse tes bonbons, là. Hein? Je vais avoir besoin de la table, je vais me réessayer. Oh, ta voix est du mystère. Pas de farce plate, toi, hein? Non, écoute, c'était de la folie tantôt. Il n'y a pas de parlage quand on veut communiquer avec les esprits. Non, non. Je vais me concentrer. As-tu, Roland, de la bonne volonté, ça va aider, ça. Il va peut-être nous servir de médium, de fil conducteur. Ah, je sais ça, conducteur m'a chauffé à table. Toi, Marie-Paul, va donc te démaquiller, ça pourrait comme indisposer les esprits. Ah, il se tannera jamais, celui-là. Ah. Bon, tout le monde est autour de la table, là. C'est bien, les mains sur la table. Moi, je vais changer d'éclairage, hein. C'est un peu trop clair. Ouais, mais mets-nous de la lumière de l'autre tombe. Ça l'amuse, hein, Hervé? Muriel, nous trouvons des mystères dans la vie, quelquefois. Bon! Attention, silence. Oui. Concentrez-vous. Oui. Concentrez-vous. Oui. Esprit, où que tu sois, qui que tu sois, si tu existes, fais-nous signe, je t'en prie. Ça pique tes doigts. C'est bon signe, ça, c'est bon signe. Esprit, fais-nous un petit signe. Frappe au plafond, au mur, au plancher. Hé, Hervé, j'ai-tu bien entendu? Es-tu un homme ou une femme, esprit? Frappe deux coups si t'es un homme. Oh non! Hey, oh non! Hey, non! Mais c'est... Oh, ben, c'est toi, mon petit fantôme de Jérôme, de petit vlimeux. Ah, ouais, ici! Hé, viens ici, votre petit fantôme, la façon dont Jérôme... Ah, il est fou! Il est pas fou, votre mari, Lucie, il a l'œil clair. Va juste l'œil, l'oreille aussi. Chez nous, en campagne, on s'entendait à changer d'idée. Tu devais pas être parti, toi, Jérôme?
J'étais pas parti bien loin, je suis passé par le restaurant. J'ai honte, hein? J'ai vraiment honte. Mais ça prendrait du sérieux puis de la patience. C'est ça, c'est une question de patience. Alors recommence puis toi, reste là. Ben? Non, ça sert à rien avec une famille d'incrédules puis de farceurs. Farceurs, parle pour toi, Clément Germain. Non, on recommence. Bon, assis-toi. Bon, la lumière est propice. Concentrez-vous, science. Mon homme va s'essayer. Silence! Taisez-vous, s'il vous plaît. Ben oui, ma femme voulait emprunter, je sais pas, là, le cerceau à broder de votre femme. Ben, montez donc, là, on va vous expliquer de quoi il s'agit. Abracadabra, abracadabra. S'il y a des fantômes de nos parents décédés qui nous écoutent puis qui veulent nous payer une visite, qui nous fassent un signe. Hey, M. Marcotte, tout à l'heure, on a la série. Le petit Jérôme, il cognait au plafond comme ça pour jouer aux fantômes. Hey. Mais ça marche, Roland, ça marche. Continue. Okay. Je me répète. Abracadabra. Abracadabra. Excusez-moi. Monsieur Marcotte! Excusez-moi, je me suis permis de monter. Votre mari m'a parlé d'un cerceau dont vous auriez besoin. Monsieur Marcotte!